C'est ce que l'on voudrait éviter, parce qu'on voit bien que c'est la première année où on ne désherbe pas et que les herbes, les mauvaises herbes, elles continuent à pousser. Depuis le mois de juillet, chacun doit désherber devant sa porte. Forcément, ça grince un peu des dents. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Quand on travaille et tout, désherbage du trottoir, on a assez des jardins et tout. C'est un peu exagéré, on paye des impôts locaux. Et puis, apparemment, ils n'ont plus le droit d'utiliser de produits pour désherber. Donc c'est à chaque proprio ou locataire de le faire. Moi, perso, je l'ai fait parce que ça fait plus propre. Mais c'est un peu abusé quand même. Le maire de Puiseaux explique pourtant qu'il n'avait pas le choix. Et c'était beaucoup plus facile avec les produits chimiques de désherber. Et on ne désherbait qu'une fois par an, puisque l'efficacité du produit durait tout le reste de l'année. Les employés municipaux utilisent désormais le rotofil pour désherber les parties de voirie qui incombent à la commune. Et cela, il faut l'expliquer. L'interdiction d'utiliser ces produits chimiques, on fait un désherbage manuel qui, lui, nous impose de repasser beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement. Et dans ce cas-là, soit de doubler le nombre de personnes à la commune pour faire le travail, soit on demande aussi aux riverains de nous aider, comme c'est prévu pour l'entretien des trottoirs normales. C'est ça, notre philosophie. Les réfractaires à l'arrachage de mauvaises herbes devant leur porte risquent, dans l'absolu, une amende de 250 euros.